Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ATC de septembre. Donc l'ATC de septembre, le thème qu'on a convenu avec Célia, c'est des ATC de style Art by Marlène. Alors j'ai sorti ma pochette, j'ai une pochette avec tous des petits articles que j'achète de Art by Marlène chez Enos. Et donc j'ai du papier. J'ai du papier format A4 qui est très fin. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est très coloré hein, pour celles qui ne connaissent pas. J'ai aussi ce petit bloc, toujours de chez Noz, hein, tout vient de chez Noz, qui est plus petit mais plus épais. Et ces motifs-là me plaisent plus. C'est des pages qui sont tout aussi coloriées mais plus travaillées, je trouve. Donc, je me dis, c'est un peu bête de vous montrer des ATC avec que du collage. Ça m'embête de découper et puis de coller et puis de rien faire d'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être juste de s'inspirer un peu du style. Par exemple, on va faire une page avec des taches de couleur comme ça. Et puis, on viendra la décorer ensuite. Après, dans celui-ci, j'ai vu que, par exemple, là, il y a des écritures. Donc, des écritures noires, des écritures blanches. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer de tout ça pour créer nous-mêmes du papier de style Art by Marlène. Alors, ça, c'est une grande feuille, vous savez, qu'il y avait dans les enveloppes des élections. Quel gâchis de papier aussi avec ces élections. Enfin bref, du coup j'ai récupéré les grandes pages blanches. Et là c'est un... Donc on va travailler sur un papier écanson de format 24 par 32. J'ai également sorti ce tampon. C'est un tampon pareil de chez Noz, hein, c'est Studio Light. C'est pas Art by Marlène, mais bon, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, j'ai des pochoirs. Donc, je ne sais pas encore ce que j'utiliserai. Je les laisse de côté. J'ai des tampons aussi. J'ai 3-4 tampons. Voilà. Donc, ça, je laisse sur le côté. Et j'ai aussi un die. Toujours trouvé chez Noz. Donc, j'avais fait quelques découpes, je m'en étais pas servi. Donc, voilà. Je me souviens qu'il coupe bien, mais c'est un petit peu galère à sortir les formes. C'est fort découpé, donc ça se coince dedans. C'est un petit peu chiant à retirer. Et puis, j'avais eu une pochette ici à Patricia, quand on avait fait notre échange de calendrier de l'Avent, avec tous des stickers. Pas des stickers, des die-cuts, Art by Marlène. Donc, j'ai fait une photocopie sur du papier photo. Et puis, je vais certainement les utiliser ici. Alors, j'ai fait une photocopie parce que j'ai pas envie d'utiliser les siens. Après, surtout que là, pour des ATC, je vais devoir les couper. Donc, j'avais envie de les garder aussi en entier. Donc, j'utilise des copies de ce qu'elle m'a offert. Voilà. Bon, alors, c'est parti. Donc, pour tout ça, j'ai sorti mes peintures acryliques. Donc, je suis partie sur 4 couleurs assez flash. Je n'ai pas de fluo. Hein. Mais pour débuter, pour faire notre fond de page. Donc, je vais simplement utiliser ici une assiette en carton. C'est l'assiette en carton qui m'a servi à faire le petit carnet de fables. D'ailleurs, je ne voulais pas encore publier. Hop, donc du rose, du bleu, du vert. Hop. Et du jaune. Après, je viendrai aussi utiliser du blanc et du noir. Mais pour le moment, on va déjà commencer avec ça. Alors, je sais que la page va être trop grande, mais c'est pas grave, hein, j'aurai un peu de chute et puis c'est tout. Je n'avais pas trop sur quoi le faire comme papier. Donc, je vais un petit peu comme ça.
faire des traces de couleurs. J'aurais pu aussi choisir le rouleau, mais bon, après faut nettoyer, j'ai pas le courage. Du coup, j'ai pris le grand pinceau. Alors, le vert, c'est du vernis. Et puis, je vais venir en mettre un peu partout pour dire d'égaliser, parce que comme après, ce sera découpé en ATC, je ne sais pas trop où ça va atterrir mes formes. Hein. Alors, j'ai oublié de prendre un essuie-tout. Voilà, un petit bol d'eau pour rincer un peu. Et je vais passer au bleu. Alors, le bleu. Alors, c'est du jaune primaire, du vert brillant. Le bleu, c'est turquoise. Et le rose, ce sera magenta. Hop. Et ce sont des cubes de peinture acrylique de chez Action. Allez, on continue avec le bleu. Après, voilà, j'hésite pas à mélanger, hein, parce que de toute façon, comme vous voyez, les papiers Herba et Marlène, c'est un peu ça aussi. Hein. Alors, je rince et je vais continuer avec mon rose magenta. Alors... Donc là, ben, en fait, je vais venir où il reste du blanc. Hein. Bon, après, voilà, le fait de ne pas avoir séché, les couleurs se mélangent. Mais moi, ça ne me dérange pas. Pas pour ce genre de création, en tout cas. Donc voilà. Donc maintenant que cette première partie est faite, je vais couper pour sécher. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. J'ai séché with gun. Maintenant, on va venir apporter un peu de blanc, pour la luminosité. Donc j'ai choisi ce pochoir, toujours trouvé chez Noz, avec différentes. Donc j'ai utilisé certainement ça et puis les petits points. Alors, je suis venue mettre du blanc dans mon éponge, dans mon assiette, pardon. Et donc, on tapote pour décharger un peu. Et puis, voilà, on va tamponner par-ci, par-là sur le fond. Donc j'ai envie de mettre aussi voilà, le but c'est de ramener un peu de blanc, un peu de clarté hein, dans la création. Donc je vais faire ça un peu sur toute ma page.
J'aime bien ces pochoirs parce qu'ils ont plusieurs motifs. C'est sympa, je trouve, d'utiliser plusieurs. C'est bien pensé d'avoir fait ça, je trouve. Bon, après, j'ai fait un peu au pif hein, parce que je sais pas où ça va retomber quand je vais découper. Hein, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va ressortir. Mais enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est de s'amuser. Donc c'est un petit peu en lâcher prise. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Je fais là où j'ai envie et puis on verra bien ce que ça va donner. Je suis en train de déborder sur mon truc vert. Alors, peut-être mettre un petit peu de hop ici. Vous voyez, même si ça chevauche un peu, c'est pas très grave. Voilà. Bon, je vais nettoyer mon pochoir, sécher et je vous reprends. Voilà, donc j'ai séché, je vous reprends. Il me reste pas mal de peinture, donc j'ai pas envie de gâcher tout ça. Du coup, je vais venir rajouter des ronds. Parce que oui, ça m'embête de. Donc je prends un peu de bleu, un petit peu de blanc. Et puis je vais essayer de garder les petits points et les branches intactes. Donc je vais venir faire des ronds comme ça en tournant tout doucement. Hop! Comme ça, ça me fait un petit effet de couleur. Donc, je prends du blanc, je prends du bleu. Je mélange sur mon assiette. Et vous voyez par-ci, par-là, où il y a des... hop, où j'ai mes petits losanges, là. Je vais venir faire ça. Mais, je vais éviter mes petits points. Parce que mes petits points, après, je vais venir les entourer. Alors, pareil, hein, j'essaye de faire en sorte que qu'il y en ait un peu partout. Pour il y a un petit peu des points, mais c'est pas grave. Pour un équilibre, parce que ben, je ne sais pas où, exactement où vont arriver mes découpes. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Peut-être faire un là. J'aime bien, ça fait un peu un petit effet bulle. Donc voilà, je sèche et je vous reprends. Je vais peut-être faire tout de suite. Je vais prendre de la peinture acrylique blanche qui me reste ici pour faire des projections. Avant de sécher. Bon, je sais que sur les papiers de Art Balmerien, on ne voit pas souvent des projections, mais moi j'adore ça. Donc après tout, hein, ce sont mes ATC. C'est mon fond. J'ai envie de faire des projections. Voilà. Bon, bah, je sèche et je vous reprends. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai séché. Donc, je regardais un peu ici. Vous voyez, à chaque fois, quand il y a des ronds, enfin, pas à chaque fois, mais là, ici, elle les a entourés. Donc, moi, j'ai pas envie de faire du noir tout de suite parce que je vais en faire après. Et j'ai ces crayons de couleur acrylique qui viennent de chez Action. J'ai eu la chance de trouver toutes les couleurs. Du coup, je vais venir avec la grosse pointe. Voilà,
je vais venir entourer les ronds. Bon, je vais faire ça hors caméra, sinon ça va prendre trop de temps. Donc voilà, j'ai fait par-ci par-là avec les feutres acryliques orange. Là, j'ai fait avec les gros, j'ai fait avec le mauve. Et maintenant, je vais venir avec mon petit crayon blanc que j'utilise tout le temps là. Je vais venir repasser les tours de mes feuillages. Comme ceci. Bon, j'ai donné un petit coup de heat gun entre deux pour que ça sèche, hein, pour pas en avoir plein les doigts. Voilà, donc je vais faire toutes les feuilles. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, j'ai envie d'apporter un peu de l'écriture. Alors, par contre, comme c'est sur de l'acrylique, je vais utiliser ma StayZone parce que la Vertafine, elle est vachement longue à sécher sur l'acrylique, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de StayZone, je crois que Vertafine, c'est pas Vertafine, Memento. C'est à peu près la même chose. Donc, je vais venir tamponner par-ci, par-là, des écritures. D'ailleurs, je vais en mettre dans tous les sens parce que... Oui, pas dans tous les sens. Je sais pas. Bon, au moins dans ces deux sens, alors. Et puis, on verra ce que ça donne. J'aime bien cette écriture-là. Je la trouve sympa. Voilà. Donc, je pense que c'est suffisant. Bon, après, si jamais il n'y en a pas sur une carte, je rajouterai à ce moment-là. Hein. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la découpe. Donc, je vais faire ça hors caméra. Je vais sortir mon massicot et puis je vais découper. Donc, les tailles des ATC, je vous les rappelle, c'est 89 par 64 mm. Je donne un petit coup de séchage et je découpe. À tout de suite. Donc voilà ce que ça me donne. Donc sur un papier 24-32, j'arrive à découper 10 ATC et il me reste encore cette bande de papier. Bon, elle est trop petite, hein, elle fait 6 cm, donc c'est 64 le minimum. Donc voilà, voilà ce que ça me donne. Alors maintenant, j'avais envie d'utiliser cette tampon-là pour le fond. Alors, je ne vais pas faire une pocket letter, donc peu importe le sens. Par contre, j'avais envie de faire une poudre embossée. Je vais prendre celui-ci. Donc, la Versamark. Voilà. Et puis je vais venir faire des tamponnages maison, comme ça par exemple là hop. Je vais mettre la poudre. Je vais faire deux par deux parce que ce sera simplement plus facile pour moi. Je vais en faire une avec vous et puis les autres, je vais les faire hors caméra. Donc voilà. Ça va me donner un petit dessin noir en relief doré. Hein. Enfin, pas en relief doré, c'est un peu brillant. C'est du noir qui brille un peu. Donc, je sèche.
Donc voilà, j'ai continué de tamponner. Donc à chaque fois, j'ai mis au milieu de deux, vous voyez. Là, je l'ai décalé pour que ce ne soit pas la même hauteur. Et j'ai fait les trois. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, c'est le plus grand. Et celui-là, c'est celui-là. Et c'est la poudre embossée relief caviar, pardon, de chez Easing. Alors maintenant, il va falloir ancrer les tours. Donc avec un vieux pad d'encre que je viens tamponner sur ma Versafine qui va bien. Je vais venir comme ça ancrer les tours. Voilà. Ensuite, donc, mes petits... on va prendre le premier. Mes petits personnages. Voilà. J'ai des découpes. Est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? J'ai peur que ça fasse trop. Donc, je voudrais mettre ça et un petit mot. Aimer vivre. Moi j'aime bien mettre des petits mots sur mes... En fait, je me dis qu'avec ça, ça fait trop, mais sans, ça fait pas assez. Donc, on va en mettre une quand même. Je ne mettrai peut-être pas complète à chaque fois. Je mettrai peut-être des morceaux. Je ne sais pas trop jusqu'où. Il faut que je mette de la colle. Voilà. Hop. Et mon petit mot. Voilà. Donc je vais toutes les faire. Et puis je vous montrerai en photo après. Bon, après moi ce que j'aime bien aussi c'est faire le contour en noir. Voilà. Donc, je vais finir hors caméra et puis je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. Donc, voilà ce que ça me donne. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, c'est la TC numéro 1, 2, 3, 4, 5. La TC numéro 5 du mois de septembre sur le thème Art by Marlène. Moi, j'aime bien. Peut-être pas mettre une forme complète. Peut-être la... Je vais la mettre comme ça et la couper. Je pense que ça sera plus joli. Voilà, bon bah je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou, alors je vous reprends. J'ai terminé mes petites ATC. Alors je vais vous les montrer. Donc ça c'est la 1 sur 8. Sont rigolos ces petits personnages. Hein. Donc je suis venue mettre quand même un petit morceau de die. De découpe de die, pardon,
sur chaque. Ça, c'est la numéro 2. La numéro 3. Donc, les trois là, je vais les garder. Les trois premières de chaque série, je les garde pour mettre dans mon classeur. La numéro 4 avec le monsieur boxeur. J'aime bien l'embossage à chaud, ça brille un petit peu, ça a un petit peu de relief. Alors la numéro 5 avec la petite fille avec sa jolie robe. J'aime bien ici cet effet de rond avec le toit, on dirait qu'il y a la lune derrière. Ça me fait penser à ça. Numéro 6 avec le monsieur sur son petit automobile. La numéro 7 avec la dame et son parapluie. Et la dernière, la numéro 8. Voilà. Donc, j'en ai fait 8. J'ai pas fait 9 et 10 parce que je trouve qu'ils sont, ils sont trop gros. Ou alors, il faut que je découpe vraiment fort. Je trouve ça un peu dommage. Donc, je me suis arrêtée à 8. Parce que mes deux derniers prennent vraiment beaucoup de place. Ou alors, on voit plus du tout le fond. Du coup, voilà. Et bien, cette fois-ci, je vous laisse en photo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!